choix, tu me fais mal. Je partirai pas tant que tu m'auras pas répondu. Je peux pas lui faire ça. Putain, mais pourquoi Lucie? Faudrait bien que tu prennes une décision là. Alors? Je pense pas que je vais pouvoir prévenir ça. Attends! Oui, j'arrive, maman. J'arrive toujours pas à mettre l'extra sur la ceinture. Je la trouve très bien comme ça. Ça sera encore mieux avec, tu verras. Lucie, tes chaussures, combien de fois je dois répéter? Et maman, je suis toute nue. Et alors? Et maman? Bon, tu t'es pesée au moins? Oui. Alors? 45. Parfait. C'est quoi ça? Rien, je suis tombée en sport. Hein? À l'acrogym, on m'a poussée et je suis tombée. Mais enfin, mais pourquoi ils vous font faire ça à l'école? Maman, c'est bon. Bon, faudra que tu fasses attention de pas trop lever le bras. Hein. Tu vois, là, ta démarche est pas gracieuse. Faut que tu sois plus souple avec tes hanches. Ah, ici c'est mieux, là. Là tu donnes envie. Bon, tu m'écoutes. Tu sais bien que ça va se jouer à des détails. Oui, je sais, maman. Bon, allez, va te coucher.
Tu dors pas encore? Non mais... Lucie... Comment on va faire pour le défiler en maillot? T'es vraiment inconsciente, Lucie. Le concours, c'est demain. Quand je pense à tous les sacrifices... Quel sacrifice, hein, maman? C'est moi qui ai fait des sacrifices. À rien bouffer, à regarder ces foutues vidéos. Tout ça pourquoi? Ce putain de concours. Y a vraiment que ça qui compte pour toi. Mais parle pas sur ce ton, Lucie. Qu'est-ce que tu fais? Ont été présélectionnés, nous verrons comment et pourquoi tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, je vous les présente.